Allez, la délivrance ! Hop ! 8 mois qu'ils attendaient ça. Ce mercredi matin, ce parc de loisirs a pu enfin ouvrir ses portes. Toboggan, mini-voiture, petit train, tout était au rendez-vous pour le plus grand plaisir des parents et des enfants. Le petit était super excité, il m'a dit « Je suis content, maman, je suis super excité, je vais pouvoir faire du toboggan, aller faire les jeux d'eau, profiter de toutes ces activités, voir du monde aussi, c'est un peu moins seul. » On attendait ce jour depuis longtemps parce que les enfants ne savaient pas très bien quoi en faire. Et c'est fantastique, on est arrivés les premiers là, première heure, et ce parc est extraordinaire. On a pris la journée du mercredi et puis on est venu profiter de l'ouverture. Une centaine de personnes a réservé pour la réouverture. Pour ce jour tant attendu, le parc a mis en place un protocole particulier. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. Nous avons mis du gel hydroalcoolique devant chaque activité. Notre personnel qui est aux activités doit désinfecter après chaque client les bateaux ou les jeeps par exemple. Pour garantir une sécurité maximale aux visiteurs, Manon a recruté 2 personnes supplémentaires dans ses équipes, spécialement dédiées à la désinfection des attractions. J'ai 2 personnes, deux personnes qui tournent en continu dans le parc et qui désinfectent avec un pulvérisateur qui désinfecte tout. Cet été, ce parc de loisirs prévoit d'accueillir 1000 visiteurs en moyenne chaque jour.